Monsieur, bonsoir, bienvenue à notre édition spéciale de Allen TV. Nous sommes Palm Beach, côté que justement nous avons passé pour nous venir rencontrer avec un pasteur Muscadin de l'église Shalom en Haïti. Il y a l'église de référence, il y a l'église qui pratiquement n'a traversé les frontières. Il y a l'église qui est plus powerful en Haïti. C'est un plaisir pour nous porter bas nos invités spéciaux, les hors de passage, surtout en Floride. Pasteur Muscadin, bonsoir. Bienvenue à la studio de Allen TV. D'abord, bienvenue à la Kainon. Dis-nous qui monde qui Pasteur Muscadin. Voilà, bonsoir Patrick. Je salue tous les amis, téléspectateurs qui sont à Allen TV aussi. C'est un plaisir pour nous avec vous, pour nous porter des informations, des éclaircissements sur l'histoire de l'église Shalom en Haïti. Bon, au fait, moi-même, c'est André Muscadin. Moi, c'est un jeune garçon qui fête dans le Nord. Moi, né à Saint-Raphaël, au nord d'Haïti. Donc, nous rentrons dans un jeune âge, nous, après certificat d'études primaires, nous, pour nous devenir l'école à Port-au-Prince. Et c'est là, à Port-au-Prince, l'histoire, la vie, nous, naturellement, les commencer. Et je vous dis aussi, pasteur de l'église Shalom, côté expérience à sortir, qui s'acte maintenant, qui élément, qui. Un détonateur dans la vie ou qui fait qu'on choisit l'évangile? Ah, c'est une grosse question qu'on pose. Naturellement, nous n'avons pas fait l'évangile. Donc, ça, c'est le premier bagage là. Mais au fait, la Bible est claire, même si nous n'avons pas fait l'évangile, mais par le sang versé de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ ben, nous doit pour nous venir petit li, dans ce sens-là. Et c'est dans les années 80, 95, 96. C'est à l'époque, moi j'étais très jeune, même dès que j'ai fait expérience de travail dans la vie, à l'époque, c'est avec un camarade de travail, moi. Donc, puisque on aime ouvrir aussi dans le domaine radio, dans le domaine télévision, tout, je changeais les âmes, j'ai un part-time que j'ai fait dans le ministère de l'information à l'époque. Si nous changeais bien, à l'époque, ça c'était sous l'époque Choiseul Henriques. Des grands camarades dans le bureau de presse, mon cher monsieur, c'est toujours qu'on a prêché de l'évangile. Prêché de l'évangile. Et mon cher, c'est avec tout prêché de l'évangile, ça, un bonjour. Et puis, mon cher monsieur, t'es invité à l'église, mal l'église. Et puis, je viens commencer à prendre habitude de l'église, Et c'est alors, à l'époque, ça, je fais philosophie, je viens faire classe philosophie, tout. Et puis, là, ça, on est à chercher à garder la vie ou pour dire après la philo. Mais au fait, c'est la vie qui ou vit. Qui ouvrit devant. Et maintenant, l'aime te fin fait philo, et puis il me sentit la vie, nous. Comme jeune garçon, dit, ah, il faut nous la vie, nous, certaine orientation. Si vrai, nous avons un travail, nous pensons que nous avons un premier métier, un deuxième métier, mais c'est pour que gros bagaille vraiment. Mais et puis, là, ça, nous commençons à rentrer à l'église, et c'est là que je rentre à l'église. Moi, j'ai accepté Jésus dans les années 2000, les années 96, et même pas même pour 3 mois, même, moi, baptisé dans les eaux du baptême. Et puisque nous étions déjà dans le domaine radio, dans le domaine télévision, c'est alors que je vais mettre talent, moi, à l'époque, je vais commencer tout de suite avec émission évangélique sur une station de radio à l'époque, c'était Radio Énergie FM que on confrère non Lunel Jégu t'a dirigé. Donc c'est là donc tout ba yo commencé et nous commencé œuvrer. Puisque bon Dieu ban nous talent, bon Dieu ban nous santé et maintenant me dit bon, si m'nan domaine communication, ban font bagaille qui nan domaine pa m'nan pour bon Dieu. Et c'est là Muscadin va le planter vraiment et Muscadin va l'émerger. C'est ça. Parlez-moi un petit peu de projet Shalom. Nous créons l'église qui est un petit peu non les traversée, les frontières. Je vous dis à Shalom son référence en Haïti. Parlez-moi de comment l'expérience Shalom a commencé. Ouais. Mon cher, selon la parole de Dieu, nous devons croire sur ça. La Bible dit dans la parole, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Au fait, c'est ça la foi. Moi, je rappelle que dans les années 2000, donc, je commence à faire émission. Donc, ça, l'apôtre Paul relaye son vie de douloureuse. Donc, pour histoire, pour une short histoire, je fais près de 15 ans, je parle dans la radio, monde, que je ne peux pas payer chèque dans la vie. Donc, année 2000, je change que je suis marié, ben, elle est difficile pour nous, quoi que nous avons travail. Mon cher, et n'a pas bon Dieu tant nous, bah bon Dieu plus tant de travail que tant m'a travail pour me toucher un petit comme. Et il y a des gens qui disent, ah, Muscadin, mon cher, vous avez fait tout le bagage, ça, oh, l'argent pas venu, man, quittez le bagage, ça, oh. Je me dis, monsieur,
même croire que n'a planté caille bon Dieu n'a simé caille bon Dieu gon leur faut récolter aussi vrai et c'est dans l'or dans époque difficile ça yo que bon Dieu t'a parlé avec moi bon Dieu t'a parlé avec moi avec Saint-Esprit pour dire muscade m'apprécie le travail qu'on fait pour moi merci pour tout ça à faire n'a prêcher l'évangile tout côté à travers Haïti nous monter nous faire promotion de groupe nous faire promotion de chorale nous faire promotion l'église Jésus-Christ et maintenant bon Dieu t'a toujours dit muscade m'a levé. Mais chaque les voix ça va parler, c'est comme si moi que là avec vous et puis on parle ensemble avec moi. Mais au fait dans la foi nous pas grandir beaucoup plus, nous pas gagner plus de maturité avec le temps et me changer dans les années 2006 et mon Dieu balbon le plan de Shalom. Le plan de Shalom écrit en 21 points et peut-être monde qui connaît à plus tant qu'on est con Jacques Maurice. Donc 21 points Shalom n'était toujours Bobby Home. T'es toujours Bobby Home. Et me changer tout de suite en 2010 le 31 décembre 2009 n'a fait un jeûne de prière et commencer faire des jeûnes de prière à travers Haïti mais chaque côté de passe c'est des foules de monde c'est un pile de monde même dit mon Dieu sourez-les dans le ministère moi voulais sacrer des évidences préalablement avant même prendre charge pastorat parce que prendre charge pastorat c'est pas bagarre qui facile si bon Dieu parle l'eau dans l'œuvre de Dieu ou pas qu'à venir faire ça c'est pas bagarre ou qu'à venir faire tant qu'on profession à l'école ou apprendre profession ça me dit me parler œuvrer dans ça non pas du tout ça faut qu'on appel et appel là donc ou gapil souffrance tout là dedans tout et maintenant 31 décembre ça avec en pile jeune nous t'ai qu'on fait bien avant 31 décembre 2009 là et puis mon cher o m'a dit mais toujours dit mais monsieur mais gueule bah là c'est pour tout bon lien monsieur parce que moi me dit bon Dieu allez n'a comme pas trop voulez bah là tout parce que sont professionnels m'a tout ça sont professionnels sont qui croient dans succès financier économique donc toujours passer pour mon gros entreprise avec ça etc c'est dans ça plus quoi. Et puis bon Dieu a râlé, l'a retiré dans toute gros activité ça puis l'a foué. Chaque petit ça main dans bagage puis bah là explosé. Chaque petit ça main bah là puis n'a dit monsieur, il est balaye tout bon vrai monsieur. Gila l'éternel pas quitter me sorti vrai monsieur. Gila est rentré n'a rentré tout bon. Et cet homme changer ça mon cher, un 31 décembre 2009 avant tremblement de terre, nous t'ai un jeûne de prière, papi Jacques était là comme témoin et puis nous t'a prié et puis avec les larmes aux yeux. Le Saint-Esprit de Dieu te saisit et mon Dieu te dit que trois bagages me va le faire pour lui dans l'immédiat. Il passe me l'autre pour me faire dans l'immédiat. Il me dédie ça et tape vidéo là côté que me t'a dit mais ça bon Dieu dit pour me faire pour lui dans l'immédiat, pas prend temps encore parce qu'il gain ça le pour le faire avec lui. On partager ça avec. Eh ben c'était il dit que on va le faire l'église là. C'est ça qui est étonnant. Il dit on va le faire l'église là. Il dit on va le faire télévision, on va le faire radio. Et il dit l'église ça, la pion radio, la pont télévision et la prépondre partout dans le monde. Et me dit ça devant mon yo. Et me dit mon yo si nous voulons quoi on signe pour permettre que bah elle est capable de marcher et ce jour-là me t'ai font pledge et pledge ça nous t'ai ramassé $30,000 américain. Maintenant mon yo t'ai fait des promesses et dans tout papier que t'ai venir joindre nous compter t'ai gon promesse de $30,000 américain pour nous commencer radio. Voilà que le m'a parlé de 31 décembre 2009 le 1er janvier donc me lever un matin et puis me dit madame moi bon Dieu bon l'ordre pour l'église à fête et nous commencer première réunion de prière nous le 3 janvier dans salon la caille moi 3 janvier 2010 et le 10 janvier nous inaugurer première culte en dans l'église Shalom encore dans la cour. La caille moi c'est ton groupe d'appartement que me donné à Port-au-Prince tenter faire pour faire business par comme ça et puis dans la coupe parking là et puis nous faire l'église nous commencer l'église là c'était dimanche 10 janvier 2010 et le 12 janvier tremblement de terre et histoire l'éclater on nous partager avec audience Allen TV expérience en 12 janvier pendant que l'église t'a planté et puis un drame comme ça et vient traverser pays là. 12 janvier 2010 à moi même personnellement bon Dieu t'ai montré que pral un drame en Haïti et me partager là avec mes camarades me changer ça non samedi avant l'église a t'ouvrir dans dimanche 10 là me dit monsieur moi un carnaval de sang et c'était étonnant. Je me dis, mais carnaval, généralement, carnaval saute pour Pétionville, yo descend en bas la ville. Mais carnaval, ça, moi, c'est la ville, moun y a sauté, et puis tout le monde a monté dans le monde qui est scoff. Puis moi, sang, mais sous tout chariot, c'est des morts. Et puis,
malgré moi et puis musique bah comme ça etc. Bon à l'époque où on connaît nos slogans de l'évangile et puis m'a dit le sang de Jésus permet de passer permet de traverser bah comme ça etc. Et puis effectivement m'a raconté petit monsieur bah là il m'a dit ah pasteur mon cher gèlè c'est parce que pour faire l'église à il y a quelques lugar ou dans zone là cap checo pour l'église à pas fait. Ça fait samedi soir au dimanche et maintenant le mardi 12 bah elle arrivé et mardi 12 moi t'es encore au palais national de travail pour palais national joue ça m'balle travail palais écrasé espace côté me connait écrasé et pas des camarades qui mourir l'école moi t'es dans université à l'époque l'école là c'était premier jour nous t'a reprendre classe qui université c'était à Delmas c'était à l'église sur le rocher côté que nous avons étudié c'était un institut de Bible côté nous avons étudié la Bible voyez-vous donc l'école là c'était premier jour nous t'a reprendre classe donc étudiant me parlant étudiant me dit que prend place pour moi m'a venir et me dans la chose inverter là ça pour mettre l'église là voyez m'a acheté inverter mettre l'église là et puis voilà que le temps pour me sortir acheter inverter et c'est comme c'était première semaine d'activité te reprendre pendant le mois de janvier et moi compter de 3 ans et puis nous tomber by blague et puis dans tomber blague l'heure a passé me parle l'école et les moi rivé la caille moi beaucoup quand même descendre machine là tremblement de terre et c'est là trois quarts l'église Port-au-Prince crasé était gon seul refuge à Port-au-Prince c'était Shalom et les ça m'a besoin de nous prier matin midi et soir et c'est là nous t'a parlé qu'un bon leadership même chant de masse Port-au-Prince nous t'ont organisé des activités chaque après-midi gon le font activité chant de masse à les ça te gain plus te gain événement quoi toute chaîne de télévision te couvre par ça près de milliers de monde accepter Jésus pour sauver personnel à l'époque donc on fait service et on a venir dans service en bout de pantalon on a venir service pied à terre à chemise et tout partout en Haïti c'était le nom de Jésus-Christ et d'alors Shalom puisque Shalom la radio Shalom. Alors, Podco existait, mais il était existé à travers une autre station de radio qui était l'inspiration d'alors qui prend le radio Shalom. Non? Et puis maintenant, à travers Orasa, que moi-même, que Papi Jacques, que l'autre monde nous a gagné, maintenant nous avons Orasa de manière mentale, parce que le pays était down. Tout le monde dans le pays, a crasé tout le monde aux abois. Et c'est alors, et puis nous prenons le leadership ça, et depuis le ça, bon Dieu fait grâce, Shalom vient en consolation, et le nom de Shalom répandu partout. Voilà. Et ça pourra le concrétiser en quelque sorte, en ce que la presse internationale relaie la résilience du peuple haïtien. N'a partagé là une expérience très importante avec Pasteur Muscadin, dans l'édition spéciale de Dwellen TV. N'a tourné après la pause, restez avec nous. Selon la parole de Dieu, il est écrit. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon ce qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Bon retour, mesdames et messieurs, vous êtes tous sur Alain TV, nos éditions spéciales avec Pasteur Muscadin, le responsable de l'église Shalom en Haïti, Shalom qui quand même est une église de référence dans le pays. Maintenant, Shalom Vinchita, Shalom pratiquement vini une église qui est vraiment powerful en Haïti. Où se voit président Martelly, défunt Black Alex vini dans l'église. Oui, Black Alex. Qui fait succès Shalom, Pasteur Muscadin? Ok. La Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Tout ça que nous avons fait, nous profiter écran ça pour me dire tout, mettre bon Dieu devant. Depuis bon Dieu devant, ou pas capable faire succès. Dieu, c'est le Dieu de succès. Bon Dieu, enseignez-nous ça dans la parole. Depuis l'Ancien Testament, dans le livre Josué, bon Dieu a parlé avec Josué, qui était venu prendre la relève de Moïse après la traversée de la mer Rouge. Dieu dit à Josué, pas de monde sous la terre qui a campé devant. Tout le temps où exister parce que mon promesse en dedans et le promesse, et cette promesse, c'est promesse d'Abraham. Et promesse d'Abraham, comme haïtien, nous saisit promesse à tout. Maintenant, la gon bataille mentale et une bataille psychologique que nous devons mener. En Haïti,
Donc peut-être l'image de l'évangile d'autrefois, c'était la pauvreté. Et maintenant, aujourd'hui, nous dit non, Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté. D'ailleurs, la pauvreté ou la misère est du diable. Et nous raillons diable, tant que la Bible dit, et nous raillons pauvreté. Maintenant, tout ça qui a drainé, traîné dans la misère, nous parlons maintenant d'observer le Dieu d'Abraham, Dieu qui crée le ciel, a créé la terre, a créé tout ça nous est sous la terre. Et maintenant, c'est lui qui fait succès l'église Shalom. Dans la conception de l'église Shalom, puisque bon Dieu te dit que la feuille, non ça, le nom de Muscadet, répond partout sous la terre et me saisit dans la capitale, dans le fondal natal. Et c'est ça qui fait que nous pas limiter tête nous. Nous pas limiter tête nous dans rien. Et c'est ça qui fait bon Dieu passer avec nous comme ça. Maintenant, en termes de powerful, en termes de spirit, en termes de puissance qui gagne dans l'église, ça, il pas dépend de manière de nous, il dépend de Dieu. Parce que Dieu servit avec un monde chaque temps. Il y a sa dispensation. Chaque période, chaque moment dans le temps, Dieu servit avec un monde. Dans toute l'histoire de la Bible, c'est qu'on s'allie. Peut-être un monde qui a accepté ou bien un monde qui n'a pas accepté. Ça, c'est pas grave. On nous est réalité, parce que Moustadé. Son pays qui a un pire culte, qui est catholique, qui est protestant, qui est baptiste, qui est pentecôtiste, qui est un bon is. Tout à fait. Mais réalité de tous les jours, là, elle continue à pas graver davantage. Côté le problème réel de Haïti situé. Voilà. Donc, nous changeons que lorsque Matéli, d'alors, qui vient président, lorsque nous avons le candidat Matéli, nous avons dit ça. Nous avons dit que le problème pays d'Haïti, c'est un problème spirituel. Et nous avons dit comment nous allons résoudre ça. Et nous avons dit trois gros points. Et nous avons dit un point, nous sommes capables de quitter. Doctrinal, mais l'autre deux points, il était plus national, il était plus de cœur. Et nous te dit que s'ouvrir le président, voilà, pays d'Haïti qui a changé. Nous pensons avec trois points, ça, le pays a changé. Pas seulement le président Matéli, nous te dit, Mme Maniga, toi, à l'époque, les deux candidats, ils ont tous été venus. Et ils ont still continué à venir, tout le temps, candidat continue à venir. Alors, ils ont un aspect publicité, tout, parce que, quand pile monde là, alors, ils n'ont pas oublié, c'est des millions de monde, cap gado, cap tando, voilà, on comprend ça, mais d'autres fois, nous profiter pour évangéliser, tout. Mais malheureusement, ils n'ont pas jamais entendu ça. Ils n'ont pas jamais entendu ça. Et président Matéli, ça qui passe là, tout ça qui passe là, moi, je te dis ça. Je te dis que, sous confier pays à bon Dieu, et bon Dieu a fait un gros président, parce qu'on n'a pas de président. On n'a pas de président. De côté sorti. De sortir. Maintenant, Dieu cherche, la Bible dit, Dieu prend des choses viles pour le confondre des forts, des choses qui ne valent rien, mais pour le mettre ou pas devant. C'est pour Dieu qu'on fait monde. C'est pour Dieu qu'on ramasse monde à terre et puis mettre sous table. Et puis fait tout Dieu garder sous. Voyez-vous, nous t'ai dit ça. Mais malheureusement, avec le pouvoir, donc nous tous connaissons ça, nous comprenons pas. Les pouvoirs montent dans la tête, on a oublié tout le bagage. Et voilà, nous t'ai dit, président Matéli, pas surtout 5 ans pour veiller. Mais veiller Matéli après le pouvoir. Et voilà, je dis à maintenant qui ça nous tombe. Donc, là, on dit que. Et Haïti a des problèmes. Oui, Haïti a des problèmes. Et depuis 200 ans, depuis 500 ans, nous traversons de l'Amérique, nous traversons de l'Afrique, nous tombons en Amérique. Donc c'est toujours le même problème. Problème intellectuel, ou bien problème social, problème économique, ils ont une base. Et c'est spirituel. Le spirituel, c'est ce qui mène toute bagaille. Et c'est peut-être ça, l'homme a cherché des livres partout sur la terre. Il a cherché dans toute science. Là, nous chita sur l'aspect social là, toujours passé jusqu'à. Il y a des gens qui pensaient que généralement l'église prenait en sorte de. Pas de résignation, prenait en sorte de. Bon, on va pas venir malheureusement. En sorte de résignation. Généralement, on pensait que l'église prêchait en sorte de résignation et que Mounio n'est pas trop actif par rapport à ça, on doit faire concrètement pour changer la réalité de la vie. Comment comprendre ça? Non. Si Yel était comme ça, pas jeudi. Et avec nous, groupe Shalom, non. Pour qui ça? Je vais vous donner des exemples. Radio Shalom, nous croyons dans l'enseignement d'abord. L'enseignement, que dans l'enseignement social ou spirituel, nous croyons dans la prière, qui c'est base pour nous kembe nous dans la foi. Voyez-vous? Maintenant, nous croyons dans l'évangélisation, qui c'est une manière pour changer les cœurs, pour changer notre monde, pour changer profondeur, pour changer fondal natal. Maintenant, nous croyons dans ça. Pour qui ça, Pasteur Muscadet? L'église Shalom, Tabernacle de Gloire, par exemple, par rapport au prince. Nan côté nous ya, nous gen des cultes que nous fait, mais en dehors culte, yo gen des programmes qui développent tant sur le plan social, tant côté nous aider ti moun à l'école. Nous gen plus de 20 000 ti moun nouveau à l'école, c'est pas ni l'état
qui aide nous, c'est pas ni personne de kadi ni blanc. Blanc aussi nous-mêmes en Haïti encore nous organiser nous dans jeune faire organisation hein, et les finances en venir et puis nous répartir à moun sa ou. Nous aider des petits grands monde. Côté que moi-même seulement mon programme chaque dimanche côté nous bas 100 grands monde cob pour manger côté m'a payer caille pour 100 grands monde mais nous pas faire 500 résidences pour ti grand monde sous nouveau Shalom que nous m'inviter nous bientôt ah ouais qui sont merveille qui va le bâtir en Haïti ça nous relé un site touristique évangélique côté que monde qui a sorti partout dans le monde ou vienne visiter on paraît qui extraordinaire maintenant sur le plan social sur le plan intellectuel nous prévoir aussi pour nous dans plus gros université en Haïti Shalom l'université de Shalom d'ailleurs c'est peut-être ça nous achetons gros tonton terrain là me dit gros tonton pas un carré terre pas 10 carré pas 20 carré non m'a parlé plus de centaines carré de terre côté que en dans terrain ça université ça déjà nous gon faculté agronomie nous prévoir que faculté agronomie en timon déjà au moins 50 carré de terre pour travail pour faire expérience maintenant parce que c'est l'état de pensée qu'il faut changer en Haïti. Tout problème haïtien son problème de pensée parce que si on a monsieur nèg là le prend deux pièces carré il dit faculté ou bien il dit université mais comme un petit monde pour l'école dans trois pièces carré quatre pièces carré il dit collège nous pile là nous passer là mais nous le bon Dieu lever nous sortir comme des héros que nous y mais nous pas continuer bagarre là connait m'a regarder dans l'école ça me vient là non high school seulement regarder mes bagaille qui gagne dans high school m'aller me faire photo me copier et me dit nous pas le faire donc c'est pas là j'ai problème non c'est question de mental maintenant nos politiciens quelque part en Haïti il y a une question de pensée. C'est comment on a passé l'aile pensée. Par exemple, on a passé le poil député, ou on a passé le sénateur. On a dit, bon, je dépense 50 000 dollars, il faut gagner 50 000 dollars maintenant. Après ça, bon, je vais comment brasser le travail, etc. Mm-hmm. Mais est-ce qu'on a un projet de pays? Est-ce qu'on a Haïti dans 20 ans, dans 30 ans, quand on a un débat qui est extraordinaire pour l'aile partie, pour nous quitter pour petit? Nous? C'est ça. Pour ça, l'interview, une audition spéciale avec Pasteur Muscadet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi, brisé. Moi, brisé. C'est pas moi maintenant, c'est où? On allait ensemble. Moi, même avant, on allait ensemble. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. M'a brisé. M'a brisé. Toute association malfaitaire. Association malfaitaire. Toute association malfaitaire. Toute association malfaitaire. Dressée contre ma vie. Dressée contre ma vie. Dressée contre ma vie. Dressée contre ma vie. Dressée contre ma fondation. Dressée contre ma fondation. Dressée contre ma vocation. Dressée contre ma vocation. Dressée contre ma vocation. Dressée contre ma vocation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. M'a rejeté. M'a rejeté. M'a révoqué. M'a révoqué. M'a annulé. M'a annulé. Toute association. Association malfaiteur, malfaiteur. Toute association, toute association. Idolâtre. Idolâtre. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. M'en libérer ma terre, 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 m'en libérer ma terre. Au nom de Jésus, pardonne nos péchés. Voilà, bon retour, nous pourrons faire un petit programme nous là avec le pasteur Muscadet qui vraiment avec un pile chaleur, avec un pile fougue, exprimé lui au niveau bien sûr de l'émission ça avec Alain TV. Dans la période quand même, Pascal, c'est pour le côté que les chrétiens de différentes confessions ont médité sur le mystère de la rédemption. Yes. Qui ça pas clair pour en particulier? Pâques, c'est la vie. Parce que Jésus-Christ te promet nous qu'il gagne pour le mourir, mais l'a ressuscité. Pâques, c'est fête nous chrétiens. Nous est Jésus ressuscité encore ça ba nous pouvoir pour nous continuer prêcher l'évangile parce que il te dit dans phase là la mourir la ressuscité mais la lever il va aller et elle la tourner venir chercher nous nous pensons que c'est ça qui rete nous sur la terre le retour de Jésus-Christ et Pâques là nous célébrer la vie nous pas célébrer la mort mais nous célébrer la vie la résurrection Jésus est ressuscité il est ressuscité une seule fois et depuis là ça nous gagne la vie à travers sans ça qui t'est versé et sans ça qui t'est versé c'est ça qui fait maladie pas qu'à tuer nous c'est ça qui fait loup-garou pas qu'à manger nous c'est ça qui fait complot même si on fait le sous dos nous mais on pas qu'à atteindre nous parce que sans Jésus beaucoup plus fort bon Dieu confond ça et DNA li. Sans avec sans nous et ça va nous pouvoir pour nous exister pour nous résister en bas force démoniaque au fait vivre dans un pays comme Haïti ou besoin plus force spirituelle et force ça c'est force Jésus-Christ et Haïti a vivre et me promet tout ça me connaît qu'il y a un pile dans nous nous gourmet comme journaliste pour la délivrance d'Haïti
et Haïti gagne pour passer par ça relé un réveil spirituel et réveil spirituel ça et la met Haïti camper parce que chita quelques jours et chita quelques temps il gon l'est pour lever camper et pour nous lever maintenant en l'air pour nous ba bon Dieu. Est-ce que vous pensez que le leadership haïtien à tout le niveau li croit dans réveil ça? Yo pas quoi là-dedans à tous les niveaux mais c'est ça qui a surprise pour yo. Donc ou toujours au fait non existence ou ka on moun yo ignoré ou ka un groupe de moun yo ignoré ou ka un leadership yo ignoré et puis c'est lui même qui pral prendre ça rele dessus. Donc yo gen pour yo konn surprise avec ça et c'est ça qui fait Haïti nous besoin changement mental. Haïti ka vive, Haïti son grand peuple. Haïti ka continue exister, bel pays, bel soleil. Pas qu'on haïtien là, l'on parle Haïti ka ou pas content. Même si on dit gen zegle do, même si on dit gen kidnapping, mais de vous priver porte là, ou garder porte là ou ba yo, la joie, oxygène, souffle à tourner dans ou. Moi pense que là nous tout n'a chercher et le respect d'Haïti, l'a sorti non réveil spirituel. L'aime du réveil spirituel, c'est pas moun de manière intéressée. Comme si qui pral chercher fait ti ba intérêt personnel loin de là non pas notre intérêt personnel loin de là on parle de plan global côté pays ça ka réveiller spirituellement pour mettre le dehors grand pile pays dans le monde yo réveiller spirituellement les États-Unis son pays qui réveille spirituellement oui c'est spirituellement oui États-Unis mais camper comme un gros poteau là en Amérique là comme première puissance c'est spirituellement ouais ça même dans l'âge on mettait dire dans bon Dieu nous ouais. Ouais, non bon Dieu, nous croyons même quoi que Haïti a privé dans niveau ça et nous tout va saisir que Haïti levé au nom de Jésus. On connaît qu'un grand pile fanatique ici dans Floride ah, oui. Pour Alain TV en particulier dans mon adresseau spécialement aux téléspectateurs de Alain TV. OK. Merci Patrick Eliancy, mon ami que nous habitué longtemps donc pas besoin de dire pour tout l'autre gros monsieur papi Jacques PL. Donc merci à tout propriétaire qui vient là, tout le monde qui bonne backup. Merci parce que nous croyons nos bagages nous continuer kembe haïtien yo informé parce que l'information c'est clé. Donc l'a fait dans leadership l'information son bagage qui coûte en pile et ça pour faire ouais gros pays yo pays qui gagne gros l'argent yo investi beaucoup dans l'information voyez merci parce que nous continuons qu'un peuple là de manière positive moi crois que avec interview ça grand pile monde qui va comprendre on l'autre bagage jodi de l'église Shalom ou bien gagne le mouvement Shalom gagne le groupe Shalom quand ça j'ai le Shalom 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 c'est la paix Shalom c'est réconfort Shalom c'est la vie l'autre dit Shalom ou dit moi yo levé parce que gè la vie là ou dit moun k ap dormi yo levé parce que gè la vie gon force qui dit on continuer encore Alain TV donc son plaisir pour m'té avec nous merci m'bagain l'argent pour m'payer nous même connaît bon Dieu a permettre que nous grandi beaucoup plus a gè plus sponsor a gè plus publicité a gè plus moun qui garder nous même gens gè plusieurs chaînes de télévision ici mais nous rêver ouais comment nous même tout n'ka pon leadership comme ça nous ka gon gros bagaille en bas ici parce que nous avons une grosse communauté même j'ai comme cas gain l'autre gain ban donc nous avons un gros bagage tout et ça va permettre que de manière financière économique nous constituer et payer nous croire dans ça merci encore que bon Dieu capable bénir nous et m'a dit nous Shalom Shalom. Voilà, c'était un petit causement avec un pasteur Muscadin qui est de passage dans la région Palm Beach. Là. Et nous remercions Jacques Maurice avec Jean-Élie THPL, lui, qui était de nous réaliser l'interview. Ça nous a facilité pratiquement tout contact avec un pasteur Muscadin. Bonsoir, c'est une autre édition spéciale de Alain TV. À bientôt. Shalom. Shalom. Moi, je voyais jeter tout matériau négatif qui a circulé sous nom dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Moi déclarer ensemble. Tout évacuer, dans système santé, tout matériau négatif, au nom de Jésus. Va bien, plus fort. Sous ta bouche, on peut mettre pour ça le matériau. Nom de Jésus.